Salut le cas, Risa Yabino, Mayo Junior de Bundesliga, et le Soussou pour nous présenter une émission de Soussou Alélo. Alors suivez après. Salut le cas, oui, c'est moi encore, votre humble serviteur, Mayo Junior de Bundesliga. On est venu encore pour vous parler encore concernant la famille de Mobutu. Alors aujourd'hui, on va parler sur Maman Antoinette Marie, et la première dame de République du Zaïre. Suivez. Il y a Mayo Junior de Bundes, TV, Toyeli Soussou, Ponako, continue na histoire Nabiso, il y a Messier, Maréchal, CCCO, Kokongwendo, Wazabanga, Mobutu. Alors, on va continuer aujourd'hui pour notre programme de la fois passée. C'était, on avait première partie. On vous avait présenté qui est Mobutu. Alors, maintenant, on continue encore pour deuxième partie. Je vous avais promis qu'on va revenir encore pour notre deuxième partie. Alors, le président Mobutu, à l'époque du Congo Zaïre, c'était Zaïre. Alors, le président Mobutu avait marié à la maman Marie-Antoinette Biatibwa Godbe Yetena. Alors, c'était la First Lady, c'est qu'elle était la première dame de l'époque du Congo. Alors, c'était à le 24 novembre 1965, dès que Mobutu a pris le pouvoir officiellement, c'était la date que Mobutu a pris le pouvoir officiellement. Alors, jusqu'à la dame Maman Antoinette était devenue la première dame de la République du Zaïre. Alors, suivez un peu. Vous avez entendu concernant la première dame, Maman Antoinette. Alors maintenant, on va entrer chez les enfants de Mobutu. Alors, il y avait un enfant de Mobutu qui s'appelait Kongolo Mobutu Saddam Hussein, alias Saddam Hussein. Alors, c'était un enfant qui était vraiment très intéressant. Alors, c'est lui qui a travaillé avec son père à l'époque. Il était à l'EFO, il a étudié à l'EFO. Il a étudié à l'EFO. L'EFO, ça c'est l'école militaire à Kananga. Kananga, c'était à l'époque, je crois, Kasaï occidental. Alors, il a étudié là-bas. Il avait l'âge de 28 ans. Alors, Kongolo Mobutu est né le 24 septembre 1970. Alors, Kongolo Mobutu était à l'EFO. À l'EFO, ça c'est l'école militaire, supérieure militaire. Alors il a terminé là-bas, à l'EFO, et puis rentré à Kinshasa pour travailler avec son papa. Alors, qui était Kongolo vraiment? Kongolo a étudié à Kananga, il est sorti en tant que sous-lieutenant. Après sous-lieutenant, il commençait à travailler dans l'appartement des présidentiels. Ça c'était officier, il était officier spécial présidentiel à la division à l'époque. DSP, c'était le département présidentiel, quoi. Alors, Kongolo Mobutu travaillait là-bas. Kongolo était capitaine, devenir capitaine. Après ses travaux, il est devenu capitaine.
il était secrétaire du général Bolosi. Général Bolosi, c'était l'ancien général de Mobutu. Il travaillait à DSP. DSP, c'était division présidentielle de président Mobutu à l'époque. Mobutu, Sese Seko, Kuku Nguendo, Wazabama. Alors, Congolo était devenu secrétaire général de général Bolosi. Il était très fort et puis il était vraiment très impressionnant et puis il était, bon, toutes les qualifications on peut lui donner parce que lui, il était comme un guerrier, quoi. Alors, il se sentait vraiment très souple, il se sentait vraiment à l'aise, il se sentait vraiment que capable de faire tout ce qu'il veut faire. Alors, Congolo Mobutu aimait beaucoup la musique congolaise. C'est lui qui était vraiment, qui fournissait vraiment les efforts de la musique congolaise, son traditionnel, tout ça. C'est lui qui était à la base de tout ça. Alors, Congolo Mobutu est mort en 1998. Alors, il est mort en 1998. Alors, c'était vraiment très, très regrettable parce que il était encore très jeune. Alors, il n'avait pas encore fini son carrière de ce qu'il faisait. Alors, merci. Aujourd'hui, on a parlé de Congolo Mobutu. Après, on viendra avec la maman Bobby Ladawa et puis avec ses enfants. Merci. On est ensemble. Alors, c'était le monsieur Mayo Gino de Bundes TV. Alors vous abonnez massivement, le Seigneur va vous bénir. On est ensemble, à la prochaine. Tout a réunifié le Zaïre. Nous avons eu plusieurs guerres d'invasion, mais je pense que il représente, à mon humble avis, une des solutions de stabilité dans la région. Je pense qu'une vie, c'est une vie stable, où le matin on peut se réveiller, se promener dans la rue sans problème et ne pas avoir d'ennui, la paix. Je crois que la paix est la meilleure chose dans la vie. La vie de la Troisième partie concernant maman Bobby Ladawa. Allez, Yabino Yango, ciao. Vous avez suivi notre émission d'aujourd'hui, c'était concernant maman Antoinette
les Congo Loro Good. Merci. À la prochaine. Ciao. Subscribe to me.